Ils sont la relève de l'équipe pro du Kavigal Nice Handball. Voici les U15 PACA Elite. Durant les entraînements, rien n'est laissé au hasard. Gérald est exigeant avec ses jeunes joueurs. On va faire jeu de transition, c'est le signal. J'ai dépassé le centre, je reçois ma balle, je vais direct chercher un croisé. Omar, applique-toi sur la passe. Allez, c'est le signal, tu enchaînes le croisé. On enchaîne. Allez, va au but. C'est parti. Ce groupe évolue au meilleur niveau de sa catégorie. Il parcourt toute la région pour leur match de championnat. Le club niçois mise sur la formation de ses jeunes pour l'avenir. L'objectif, les faire progresser sur les bases individuelles et le jeu collectif avant d'intégrer les équipes supérieures. Cette équipe de U15 qui s'est qualifiée en élite allait être un peu le cœur du groupe Kavigal. Donc on essaie d'influencer les jeunes sur un gros travail pour leur permettre peut-être un jour d'intégrer au plus vite le haut niveau et l'équipe de D2 ou même plus haut s'ils y arrivent un jour. L'un d'entre eux, Mathéo, actuellement blessé, a même intégré le pôle espoir de Saint-Raphaël et son internat en début de saison. Un moyen d'évoluer plus vite dans le but d'accéder au haut niveau. Je m'entraîne tous les jours, je fais de la musculation, je cours énormément. Et tous les vendredis soirs, j'aime m'entraîner avec ce club. Et le dimanche, je joue avec eux. J'aimerais bien aller le plus loin dans le hand, surtout en équipe de France. Si je peux être capitaine aussi, ce serait super. En première division aussi, Paris ou des gros clubs en Espagne comme le Barcelone, etc. Les coéquipiers de Mathéo n'en oublient pas la notion de plaisir dans ce sport collectif, et ce, quels que soient les objectifs. Ah bah, l'ambiance elle est super, enfin, c'est vraiment un groupe super agréable, on rigole bien, on est tous des potes quoi. Il y a pas, voilà quoi, c'est, ça se passe vraiment super. Après les objectifs, il n'y a pas d'objectif en particulier. Hein. Je ne sais pas, on peut essayer d'aller mi-tableau parce que ça pourrait être pas mal. Ouais. Parce qu'il y a vraiment des équipes, si on arrive à finir 5e sur 12, ça pourrait être pas mal. 1, 2, 3, 10 ans!